Salut tout, on se trouve pour une nouvelle bataille avec les Japonais. On est à Gatuvush. Ah, c'est l'entrepôt, je ne connaissais pas le nom de la carte, pas encore. On est parti, on est en défense, on va commencer tout de suite avec notre placeur de checkpoint. On va demander aux gens de défendre le point. Et moi, ils vont arriver de par là, je vais aller placer un checkpoint dehors. Je peux pas en placer un trop près du point. Trop proche. Je peux me mettre là. Ah, ordre annulé, mince, ils vont tous se ramener. Allez, on va glisser là. Qu'est-ce que. Vas-y. Je suis trop habitué à héros généraux où tant que je suis proche de la structure je peux continuer à taper. Alors que là c'est pas le cas. Ils ont l'air d'arriver par là. C'est bien ce que je pensais. Bon, il est relativement discret. On va miser sur le fait que personne ne le verra. Et on va rester dans le point. Et on va passer à mon sniper. Je sais pas exactement où est-ce que je vais les placer. Ah non, je vais repasser constructeur. Et je vais faire des aménagements défensifs. Par exemple, des barbelés. Ça pourrait servir. Ah, lui il sort. Ouais. Bon, on va pas trop. Ah, j'hésite. Là, il y a aussi une grande zone qui serait utile de le protéger. Ça, est-ce que je laisse un petit espace exprès pour qu'on puisse rentrer? On va dire que oui. Comme ça demande un bon détour aux ennemis. Bon. Ils sont sérieux? Oh là là, j'ai la flemme de les reconstruire. Je pense que c'est un avion qui est passé et qui a tout pété. Comment j'accède au. Au toit, moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien de prévu pour. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de prévu. Donc vous allez. Eh, qu'est-ce que vous faites là? Oh là 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 là, mais qu'est-ce que. Non, 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 arrêtez, arrêtez, arrêtez! Qu'est-ce qui vous prend, les cocos? Quand je dis restez là, c'est restez là? Ah, ils imaginent que c'est en bas ou en haut ou. Oh là là! Ah ouais, je vois, je vois. Je peux vous dire d'aller là ou pas? Ouais, vous pensez que c'est loin. Ah, quel dommage. Je peux pas juste vous dire restez là? Ah si. Bon, il y en a toujours qui veulent. Aïe aïe aïe. Qui veulent faire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous faites tous en ligne? J'ai dit soyez là. Oh là là! Ils me font n'importe quoi. Bon. On va les placer ici. Hop, ça leur fera faire moins de bêtises. S'ils y arrivent. Oh là là! Bon, moi je vois pas les ennemis, ça m'embête. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire en les attendant? Là, c'est des barbelés, par exemple. Hop. Et un truc un peu salaud, mais qui parfois marche, consiste à mettre juste derrière les barbelés. Enfin, les murs, de juste derrière. Les barbelés juste derrière un mur. Bloqués par d'autres objets. Alors attendez. Comme ça, ils sautent et après ils tombent sur les barbelés. Je suis sûr que je les ai pas très bien placés, mais quand même.
Alors, je vais mettre un mur. Ici, par exemple. Voilà. Là, je suis satisfait. Qu'il a eu. C'est un char allié. B, est-ce que ça va pas m'empêcher de tirer bas un peu? J'ai l'impression que j'y touche plus du tout. Ils ont eu. Je sais pas ce que c'est le gros machin à côté. Est-ce qu'on se mettrait pas un autre mur? Il est un peu trop incliné, mais pas très très grave. Comme ça, je peux m'accroupir. Hop, et là, je suis bien protégé. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il soigne ou il glitch dans le sol? Il glitch dans le sol. On a tué la moitié d'entre eux. Un. Faut que ça touche quand même. Ah, ça arrive. Hop, non, 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 reste un bas. Je vois encore du monde. J'ai plus de quoi protéger. Alors, est-ce que je peux mettre un deuxième mur? Quand tu veux, mec. On va mettre à côté, c'est pas grave. Hop, on va revenir se cacher. Est-ce que je peux mettre un mur dessus? Hop, s'il te plaît. Ah, l'endroit où c'est vert est trop petit. Ah. Allez, reviens. Bon, j'y arrive pas. Hop, maintenant il me faut définitivement une caisse de matériaux. J'ai aucun allié qui est mort. Ok, repasser un 1. Shrock. Qui soigne là-bas? C'est ça, il est en train de soigner. Je sais pas pourquoi je l'ai pas touché. Je me demande si c'est pas juste que mes sacs de sable glitchent un peu dedans. Cric, on est plein en mun. Dessus de là-bas. Mort. C'est un vivant, ouais. Ça, c'est un joueur. De la façon dont il me tire dessus. Aïe. Ok. Ensuite, on va passer sur le sniper. Les autres vont rester bien à l'intérieur.
On les massacre, hein. Je vais revenir me placer au même endroit. Les murs de sable tiennent. J'ai une caisse de mune. J'ai aucune raison d'aller à un autre endroit. J'ai une belle plaine dégagée. D'ailleurs, ils arrivent moins de ce côté-là. Oh, ça tremble. Ça, c'est un allié. Ah, il y a un char ennemi. En théorie, je suis censé pouvoir avoir sa tête. Ah, malheureusement, j'ai peur qu'il me pourrisse la vie. Ad vitam aeternam, ce mec. À chaque fois que je retournerai en haut, il aura qu'à venir me tuer. On va juste l'éviter. Aïe, j'ai pris un mauvais coup. Dont je ne connais pas la provenance. Ça, c'est un joueur? Je ne sais pas. Si je bouge trop, mes alliés vont me suivre. Ah, je peux pas bouger plus que ça. Okay. J'aurais pas dû attendre autant. Je me suis fait piquer le kill. Je pense que les gens autour de moi ont fait la même chose. Ils ont caché leurs soldats à l'intérieur du bâtiment. Ben, je suis trop loin de mon escouade. Défendez-la alors. Évitez de sortir dehors si vous pouvez. Ah, il y en a un qui est sorti. Boum. Aïe. Ok. On va dire que l'avantage c'est comme ça. Je suis plus proche par une sortie. D'ailleurs, je suis peut-être pas obligé de sortir. Ah, si je pense. Ah. 5 secondes à la fin, j'ai pas le droit d'aller me promener dans le camp ennemi. Oh là là. Oh là là, on a gagné tellement vite. Bon, je vais enchaîner avec une deuxième. Hein. Pas vous laisser sur votre faim. C'est pas passé beaucoup de choses dans cette partie. Si ce n'est que... Ah, j'ai pas fait un très beau score. Ah, j'ai terminé deux missions. Alors. Ah, mais la limite de tâches quotidiennes est atteinte. C'est pas grave. Il reste un peu de temps avant le régiment d'infanterie. Yago. Compagnie de transmission. On peut appeler un barrage d'artillerie, c'est ça. Une arme de mêlée. Oh là là, pas mal. On dirait un katana. Comme les armes de mêlée traditionnelles, en effet. Après, il y a des pilotes. Un meilleur fusil, un régiment d'infanterie avec lance-flammes. Ah, donc ceux que je vois avec lance-flammes, ils sont au moins niveau 14. Alors, est-ce qu'on a quelques améliorations à faire? J'ai l'impression que rien n'a bougé. Eh bien, on y va. Lui, il a encore besoin de beaucoup d'XP pour monter. Un avantage, 3000, je crois que c'est beaucoup. Lui, il tient au max, lui aussi. Lui, il a rien monté du tout. Je l'ai pas encore beaucoup utilisé. Ah, il a une grenade au phosphore blanc. Quand je jouais avec Heure, on trouvait ça un peu terrible. Comme quoi, j'ai une nouvelle tâche. Ou j'ai progressé sur des tâches, peut-être. Sera disponible pendant 72 jours. Oh là là.
Je vais en attendre un paquet, même sans le vouloir, en 72 jours. Ah, on voit que c'est un jeu en bêta parce qu'ils sont en version 0.4. Pour un jeu en bêta, bon, c'est une bêta publique, c'est-à-dire qu'ils ont déjà pas mal avancé. Je trouve que le jeu est quand même très bien. Il y a quelques petits glitches. Ils ont moins de bugs que ROE Généraux, qui n'est plus en bêta depuis pas loin de 10 ans, si j'ai bien compris. Alors, nouvelle bataille en défense. On va positionner mon escouade. Allez, placer un point de ralliement. Cette carte, je la connais un peu. Donc, je sais que, par exemple, on est susceptible d'avoir un point de spawn spawnable. Ordre annulé. Oh. Allez, on va le mettre là. Je les vois très très loin. Tant qu'ils ne me tirent pas dessus, ça va. J'en ai perdu deux. Ensuite, un mur. Un autre mur. Je peux même mettre un troisième mur et là on sera bien couvert. Hop! C'est parti, je passe en sniper. On va dans le point discuter. Là, vous allez rester ici. Moi, je vais m'aventurer un peu plus loin. Oh! Alors, je sais pas comment je vais me débrouiller pour être avoir de la vision sans être trop exposé. Ah, caisse de soins, sympa. Alors, je pense que d'ici j'ai un bon truc pour être avoir vision sans être trop exposé. Les deux parties précédentes, on a gagné assez large. Ça va peut-être arriver encore, hein. Deux chars. Tant qu'il me tue pas mon sniper, on va les laisser tranquilles. Ok, c'est fini la tranquillité. J'ai une charge de TNT avec lui. Annuler tous les ordres. De toute façon, ils vont me suivre à un moment ou à un autre. Alors, on a une équipe alliée par là. Avec un canon. Et de l'artillerie. Le jeu va bientôt me dire que je peux plus avancer. Allez, tirez les gars. Aïe. Hop, changement de membre. On va plutôt basculer sur lui. On va lui faire faire un mur.
Ah, pourquoi pas deux d'ailleurs? Et voilà, là on peut reprendre tir au pigeon. Ils sont bien calmes mes soldats, vous voulez pas tirer un peu? On va tenter le... lui. Voilà. B pour m'accrocher. S'il y en a qui passent proche, je pourrais en faire un beau carnage. Ils sont plutôt loin pour l'instant. Ah mais non, mais sérieux! Mec, tu fous quoi? Laisse-moi tirer un peu. Je sais que mon mur il est bien, mais quand même, t'abuses. Te mettre juste sur moi. Ah mince, j'ai tiré dans le sac de sable. Sinon je peux m'allonger. Hop. Ah mais je vois moins. Non, c'est pas très efficace, hein. Ils sont trop loin pour que ça ait un effet. Ah, vous quittez la zone de combat. J'espère que j'ai pas enduré trop de pertes. Ouais, j'y vais. Allez, on va bouger par là. C'est dans ce genre de situation que ça peut être utile d'avoir un truc qui mitraille un peu. Même si j'ai pas un très bon angle. Il fait 10 kills quand même. Dernier chargeur. Ah, mon escouade s'est fait détruire. Ouais. Oh là là. Allez, allonge-toi. J'ai presque plus de mun. Il va être temps d'aller voler l'arme d'un mort. À lui par exemple. En plus, il avait une arme mitrailleuse, pas mal. Aïe. J'aurais fait 18 kills quand même avec ce Gugus. Faut dire, on a des points de ralliement qui vont d'un bout à l'autre tout autour du point. Ils sont mal barrés. Oh là là, on a tué trois quarts de leurs soldats avant que... Hop, c'est bon, j'ai évité le... Avant que j'ai besoin de changer d'escouade. C'est pour dire. Ah, il y a un type. Bah, il l'a eu. Très bien. Touché.
Putain, ça grouille là-bas. J'ai déjà été en position inverse. C'est pas drôle. Le médecin avec sa mitrailleuse, c'est pas celui qui va m'être le plus utile. Du monde là-haut. Ben, je l'ai pas tué. Je me suis dit, j'espère que c'est pas un joueur, sinon des chances qu'il ne manque pas son tir. Là, il a pas manqué. Ah, c'est relou. C'est pas grave, on va rester dans les hauteurs. Mince, j'ai tiré alors que je visais avec le mauvais truc. Ah, ça essaie de cap. Ça y arrive pas. Ah ouais, il y a un autre juste à côté. Non mais caché. Hop. Aïe, bien joué. À lui. Alors... Ah bah on a gagné. Beaucoup trop facile cette partie. Bon ça arrive hein. J'ai terminé rien du tout dans les classements. J'ai terminé quatrième quand même. Le meilleur mitrailleur. Ah bah faut dire 18 kills le mitrailleur. Moi je dis c'est mérité. Eh ben, on se dit au prochain épisode.